Méditation créatrice, le jardin de l'esprit. Plaçons-nous tout d'abord dans un état de relaxation. Vous vous placez dans une position confortable, bien détendue, les paupières closes. Je détends ma jambe gauche, totalement détendue. Je détends ma jambe droite, totalement détendue. Je détends mon bras gauche, totalement détendu. Je détends mon bras droit, totalement détendu. Je détends mon abdomen, totalement détendu. Je détends ma région lombaire, totalement détendue. Je détends ma cage thoracique, totalement détendue. Je détends ma région du dos entre les omoplates, totalement détendue. Je détends mon épaule gauche, totalement détendue. Je détends mon épaule droite, totalement détendu. Je détends mon cou, totalement détendu. Je détends les muscles de mon visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front, tout le visage détendu, tout le corps détendu. Puis maintenant, derrière vos yeux clos, vous allez imaginer que vous vous trouvez devant une grande grille blanche, surmontée d'un magnifique arc de glycine. Vous savez intuitivement que cette grille s'ouvre sur votre jardin intérieur, le jardin de votre propre esprit. Là où réside votre essence spirituelle véritable. Contempler ces glycines élève intensément votre niveau vibratoire. Vous poussez la grille et vous débouchez sur une grande allée bordée de massifs fleuris.
De magnifiques fleurs rouges apportent beaucoup d'énergie à votre chakra racine et à votre chakra sacré. Vous continuez de pénétrer plus avant dans le jardin. Là, en ce lieu, vous vous sentez si bien protégé, en parfaite sécurité. Vous vous asseyez sur un banc près d'un beau bosquet aux fleurs rouges et vous vous laissez pénétrer par la paix qui règne en ce lieu. Voyez cela, sentez cela. Puis vous reprenez votre visite, vous vous enfoncez davantage dans le jardin, admirant et sentant les parfums de nombreuses fleurs, des grappes de magnifiques fleurs bleues ou parfums envoûtants, des iris de couleurs diverses. Des fleurs rouges revitalisantes, puis des hypomées à la robe bleue indigo, si apaisantes à regarder. Contempler ces hypomées bleues indigo stimule votre chakra du troisième œil. Puis, en déambulant, vous croisez des hibiscus roses qui amplifient la sensibilité de votre chakra du cœur. Ensuite, c'est un beau bosquet de fleurs bleues qui vous réveille le chakra de la gorge.
Bientôt, un lilas d'Inde rose vous stimule de nouveau votre chakra du cœur, ainsi que des pivoines si subtiles. En poursuivant votre visite, vous percevez un coin de lavande. Vous cheminez à travers ces lavandes. Elles embaument et stimulent votre chakra du troisième œil ainsi que votre chakra coronal. Bientôt, une multitude de fleurs jaunes et des lotus roses vous font présager que vous approchez une zone humide. Contempler ces fleurs jaunes stimule votre chakra du plexus solaire. Puis, vous poursuivez votre visite et vous apercevez un étang. Ceci vous apaise intérieurement. De grandes feuilles se trouvent à la surface de l'étang, puis vous apercevez des lotus d'une grande beauté. Des lotus bleus qui symbolise l'élévation de votre âme vers la lumière. Un lotus bleu vous apporte paix et sérénité. Un lotus rose tendre vous apporte la joie du cœur. Des grenouilles vous apportent la vitalité des milieux aquatiques et de fait, vous entendez le bruit d'une cascade au loin. Cascade que vous ne tardez pas à apercevoir. Vous vous rapprochez de cette cascade. Des escaliers vous permettent de parvenir au pied de cette cascade. Bientôt, vous vous retrouvez à côté de la cascade. Vous ôtez vos vêtements et vous vous placez juste sous la cascade. Sentez les gouttelettes d'eau qui s'écoulent tout le long de votre corps. Ressentez cette impression de fraîcheur agréable. Cette eau vous délivre de toutes les tensions qui persistaient en vous. Vous vous sentez allégé, délivré de toute émotion négative.
Sentez cela, vivez cela. Puis, vous ressortez de l'autre côté de la cascade où vous trouvez de nouveaux habits. Vous découvrez alors cette autre partie du jardin. Au loin, vous apercevez un petit temple. Vous vous rapprochez de ce temple après avoir franchi un petit pont, vous pénétrez dans le temple. Au fond du temple se trouve une grande tête de Bouddha. Vous vous imprégnez de la sérénité de cette tête de Bouddha. Vous vous asseyez alors en posture de méditation dans ce temple, les mains sur votre poitrine, concentrés sur votre espace du cœur, vous répétez intérieurement la phrase suivante: Je me relie à mon essence spirituelle qui rayonne au fond de mon cœur. Je me relie à mon essence spirituelle qui rayonne au fond de mon cœur. Je ne fais plus qu'un avec mon essence spirituelle. Je ne fais plus qu'un avec mon essence spirituelle. Sentez cela. Vivez cela.
Je ressens et je vois mon moi divin libre et parfait. Je ressens et je vois mon moi divin libre et parfait. Maintenant, vous effacez ces sensations, ces images. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez, la séance est terminée.